Si l'Université de Bretagne Sud a été créée en 1995, ses racines sont bien plus anciennes. Elle est née de l'ouverture progressive de ses instituts, facultés et écoles. Tout a démarré dans les années 60 avec l'école de droit. La création de l'université a été une vraie aventure. Il fallait tout faire, rien n'était gagné. Depuis, l'Université de Bretagne Sud n'a cessé de grandir. En 20 ans, le nombre de ses étudiants a doublé, passant de 4000 à presque 9000. Aujourd'hui, sur ses trois sites, Lorient, Pontivy et Vannes, elle compte 3 facultés, 2 IUT, une école d'ingénieurs et 13 laboratoires. Qu'ont-ils en commun? Un esprit de pionnier et des valeurs communes. Depuis le premier jour, cette université se veut entreprenante. Très réactive et proche du monde de l'entreprise, elle affiche des taux d'insertion professionnelle parmi les meilleurs de France. Les raisons de ce succès? Des campus à taille humaine, un accompagnement renforcé des étudiants, des parcours pensés pour s'adresser aux entreprises. Interventions en cours, stages, visites de sites, présence de l'alternance dans plus de 30 cursus, les échanges avec la sphère professionnelle sont permanents. Plusieurs promotions sont parrainées par des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les étudiants cumulent jusqu'à une année complète de stage à l'issue du master. Voilà de vraies spécificités. Pluriel, avec un large choix de domaines de formation, le droit, les lettres, les langues, les sciences économiques, l'informatique, la biologie et bien d'autres. Elle est aussi spécialisée dans des secteurs d'activité particuliers. Des programmes originaux, la cyberdéfense, l'efficacité énergétique, le décisionnel. Cette pluralité permet des passerelles entre les formations et permet de croiser les champs disciplinaires. Objectif, favoriser l'émergence de formations originales pour développer de nouvelles compétences chez les étudiants. Pluriel, c'est aussi être accessible à tous. Tous les milieux socio-économiques sont représentés sur les campus. Plus de 70 nationalités se côtoient et 400 jeunes partent chaque année étudier à travers le monde. Il n'y a pas d'université sans recherche. C'est donc avec ses 250 enseignants-chercheurs que l'UBS témoigne de sa créativité. 3 plateformes technologiques de pointe, des travaux scientifiques au cœur des défis technologiques et humains que devra relever notre société, cette capacité à imaginer, innover, résoudre des problèmes avec des solutions nouvelles, c'est ce plaisir que partagent ses étudiants avec ses enseignants, toujours à l'écoute et accessibles. C'est cela la proximité de cette université. Projets de recherche et d'innovation autour des économies d'énergie, grand programme interdisciplinaire autour de la question de l'aménagement du littoral et du traitement des algues, création d'un centre de gestion des crises cybernétiques, les exemples sont nombreux. Ici, l'imagination ne manque pas. Boîtier de vote interactif, classe inversée, ressources en ligne, plateforme de formation à distance, travaux en petits groupes. Les 900 personnels de l'université n'hésitent pas à innover dans tous les domaines. Et le numérique? L'Université de Bretagne Sud dispose avec les universités bretonnes d'équipements de haute technologie interconnectés uniques en France. Salles immersives, télé-amphithéâtre, c'est cela, inventer de nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner. Inventer, c'est aussi offrir aux étudiants les conditions favorables pour exprimer leurs idées nouvelles. Car le monde a besoin de gens capables d'innover. L'Université de Bretagne Sud laisse la place à l'expérimentation. Participer aux travaux de recherche de l'expédition Tara. Créer et tester son entreprise avec StartUBS, monter une association solidaire pour aider d'autres étudiants, donner à chaque étudiant l'opportunité d'essayer. C'est cela l'esprit de l'Université de Bretagne Sud. L'apprentissage ne s'arrête pas aux portes du savoir. Développer la pratique citoyenne, c'est donner à chacun l'occasion d'exercer ses responsabilités. C'est faire des étudiants des acteurs de la société pour la transformer. Ils exercent un mandat électif, sont membres d'une association, œuvrent au sein d'un centre social. L'Université de Bretagne Sud valorise ces formes d'engagement en les intégrant dans l'évaluation du parcours. À travers ces actions, les étudiants développent leur esprit de coopération et d'initiative, des compétences sociales qui concourent à leur réussite
professionnelle et sociale future. Être à l'Université de Bretagne Sud, c'est avoir cet esprit de solidarité fondé sur l'échange et la proximité. Chaque année, près de 1500 étudiants nouvellement inscrits sont parrainés par ceux qui ont pris leur marque dans l'établissement. 40 associations étudiantes avec les maisons des étudiants animent cet esprit de partage et de rencontre sur les campus. L'envie d'être ensemble est chaque année plus forte, avec des événements devenus incontournables, Welcome Days, Semaine solidaire, Fête du sport, Semaine anglaise. Autre priorité à l'Université de Bretagne Sud, l'accès au sport et à la culture pour tous. Plus de 40 activités sportives sont proposées, du yoga à la plongée, en passant par la voile. Des ventes à prix réduit, de places de concert, de spectacles sont organisées. Tout cela est rendu possible par les démarches partenariales engagées à tous les niveaux de l'université. L'Université de Bretagne Sud a 20 ans, déjà 20 ans. Ce qu'elle est devenue, elle le doit à tous ceux qui ont cru en elle. Les politiques qui l'ont portée sur les fonds baptismaux et l'ont soutenue, les personnels qui ont redoublé d'efforts et les étudiants qui l'ont choisie et sont fiers aujourd'hui des formations qu'ils ont reçues. Engagement, créativité, innovation, recherche, tels sont les maîtres mots de l'Université de Bretagne Sud. Engagement dans la vie de la cité, créativité dans la pédagogie, innovation dans la recherche et audace, tous les jours, sur tous les fronts, pour que nos étudiants, nos entreprises et nos territoires réussissent. Merci à toutes les équipes qui ont fait et qui font que l'Université de Bretagne Sud soit notre université, votre université.